Hey yo les bros, j'espère que tout le monde va bien. Hier dans la vidéo, on a un peu parlé des deux nouveaux héros. Enfin, on a un peu parlé, on a quand même montré les skills, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller les check dans la vidéo de hier. Aujourd'hui, on va un peu check ensemble le matchmaking. Alors déjà, je vous invite tous à mettre un peu vos KD, votre matchmaking en commentaire. Comme ça, on a tous un peu un annuaire, on a tous un peu une idée de qui est tombé avec qui. Et après, maintenant, je vais vous montrer le mien. Je pense avoir, mais je pense qu'on est sur le plus gros KVK. Si vous pensez que votre KVK est plus gros, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais franchement, les gars, le 5, 23, le 61 et le 70. Donc en français, le 5, c'est avec noir. On va aller voir les KD tout de suite. Le 23, il me semble que c'est TFS. Le 61, c'est nous. Et le 70, c'est PXS. Donc je pense qu'on est les 4 plus gros KD quand j'avais fait la petite fiche là. On va aller voir ça maintenant ensemble pour un peu se rendre compte de quelles alliances il y a sur ces serveurs. Mais avant les bros, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, etc. Venir dans le Discord qui se trouve dans la description, ça fait toujours du bien à la petite chaîne. Maintenant, let's go. Alors on commence avec le 5. Le 5, ils ont eu une centaine de recrutements, hein, c'est noir. On va aller check ça maintenant. Je sais pas s'ils sont passés sur deux alliances. En tout cas, ils avaient une alliance la plus grosse du jeu, mais je sais pas s'ils en ont fait deux. Noir, ah, ils ont bougé les alliances. Donc là, il y a 3 milliards 6. Oh, ce skin, il est fat. Hein. Ce skin, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Hein. Vraiment, il est trop sympa visuellement. C'est un truc de dingue. On va voir ça maintenant. Et nos deux, c'est 21 milliards. Mince, alors ils se sont complètement split là pour que j'aille chercher. Donc on a N1, NO2. Ici NO3, c'est quoi ça? NO3, il n'y a rien. Donc NO4, je présume qu'il n'y a rien non plus. On va aller voir ici aussi. NO2, c'est le 21 milliards. NO1, bah, c'est eux qui tenaient le Drake là-dessus. 3 milliards 6. En vrai, il n'y a que 24 milliards, 25 milliards. Enfin, que. On se comprend quoi, mais je pensais qu'il y avait un peu plus parce qu'il y avait eu des recrutements, etc. Ou alors il y a beaucoup de gens qui ont été envoyés dans les zones un peu secondaires. Noir ici, 3 milliards. Donc je vois 3 milliards 6, NO2, 21 milliards. J'ai peur d'oublier une alliance les gars parce que je pensais qu'il y avait quand même un peu plus. NO1, ouais, tous les NO plus là, en vrai il y a rien dedans. Non, écoute, là il y a rien dedans. Donc on est sur quoi? On est sur du 25 milliards environ pour noir. En vrai, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, ils étaient à 24 milliards, mais il me semblait qu'ils avaient recruté en une semaine. Donc voilà, donc on est sur du plus ou moins 25 milliards pour le serveur 5 avec noir. Après, on sait bien que noir, les gars, c'est vraiment des joueurs 1 contre pour 2 à la limite, tellement qu'il y a de l'activité là-dedans. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment actifs de ouf. J'ai joué contre eux saison je sais plus combien. Je pense que c'était la saison 2. Et franchement, ça s'arrêtait pas quoi. Tu jouais quand les gars, je sais pas s'ils ont plusieurs pilotes par contre, ou si les mecs ils sont au chômage plus, mais en tout cas, ça s'arrêtait jamais sur le champ de bataille. Allez, maintenant on va voir le serveur 23. Après, ce qu'on va essayer de faire un peu, c'est essayer de se dire qui pourrait aller avec qui d'un point de vue power et aussi d'un point de vue possibilité, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'aiment pas hein, dans les leaderships là-dedans. Je pense EIS, TFS sont pas très copains. Je pense EIS, BXS, ça va, mais le reste, je sais vraiment pas. Du coup, on est sur le 23, donc on a AFS, 13B4, je présume que les trois alliances, c'est les trois qui touchent ici. AFS, 13B4, ici on a 6B4, donc ça fait 18B, ouais, on va dire presque 19B. Et alors ici, nous avons... Hop. Donc 19 plus 12 ici, on est à 31,5. Est-ce qu'il y en a une autre à prendre en compte ou pas? Ici on a ça, je sais pas ce que c'est. Non, 31,5 du coup, hein. Sauf s'il y a une alliance cachée dans une zone qui n'est pas la dernière zone. Et je vois 3 alliances, moi personnellement. Donc une alliance à 13,5, une alliance à 6,5, donc ça fait 20. Et une alliance ici à 12,5, donc pardon, ça fait 32,5 du coup. Je sais pas comment j'ai compté ça là-dessus. Ouais, 6,5, 13,5, 12,5. Ouais, ça fait 32,5. Ok, ça me paraît déjà un peu plus juste. 32,5 pour TFS. Le serveur 23. On va aller voir le petit serveur 70 avec BXS. Je sais pas combien d'alliances ils ont maintenant. Hop, on va déjà regarder BXS. 18B, on va te mettre. 18B, ici, qu'est-ce qu'on a? SXB, 18B, 7B, ça fait 25B. Hop, est-ce qu'il y en a une en plus ou est-ce qu'ici c'est des comptes? Ça devrait être des comptes farm. J'ai regardé là-bas aussi. C'est quoi ça? Ça, c'est du BS toujours. Ouais, c'est tout. Hein. Donc, on est sur du 25B.
Donc pour le moment on est noir BXS 25B tous les deux. Et alors on a TFS qui sont à 32B5. Et alors nous on a combien maintenant exactement? Donc serveur 61. Bon en vrai c'est mon serveur, je vais appuyer la petite barre espace bien évidemment les petits raccourcis qui mettent bien. Ici attendez, parce que j'ai quand même dépêché aussi moi pour aller au taf et tout. On est à tac 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 16B8. On a split en deux nous. Mais elle est où la deuxième? Et EIL, c'est ça. Donc on a EIS et EIL. Et s'ils sont à 8B, ouais bah ça fait presque 25B aussi en vrai. Un tout petit peu moins que 25B. Donc en vrai, on est tous plus ou moins à la même power. Sauf TFS qui sont à 32B5. Donc gros steak. Pour moi comme ça, je dirais bah, TFS 32B5, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. À côté de ça, on a noir. J'aurais envie de mettre noir et TFS légèrement devant que EIS et BXS, dans le sens où noir on sait bien que les joueurs c'est des grosses machines. Après le recrutement exact que tout le monde a eu et tout, ce serait impossible de dire dans quel ordre de puissance là ils sont actuellement. Donc pour moi comme ça, j'aurais envie de mettre soit noir avec soit BXS EIS, et alors contre TFS avec soit BXS EIS. Comme ça on a les deux qui sont pour moi dans ma tête plus gros, avec les deux qui sont un tout petit peu plus petits dans le royaume. Après quand je dis plus petit les gars, on est quand même sur du on est comme sur du 25B par camp quoi, donc ça va vraiment envoyer de la lourdeur là. Quand on regarde un peu la carte, voilà, je sais pas si vous voyez bien, ok, donc on a le 61 ici, c'est nous, le 23 ça sera TFS, donc on a TFS en notre gauche, en bas on a noir. Waouh, ça va être dur au start. Ça va vraiment être dur au start. Et alors de l'autre côté on a BXS. On pourrait s'imaginer en vrai si on joue con. En fait ce qui me fait peur, c'est que je sais bien que BXS et ES, les leaderships, ils s'entendent bien, ils ont déjà travaillé ensemble. Il me semble qu'ils s'entendent de nouveau bien, en tout cas d'un peu les news que j'ai eu à gauche à droite. Je sais que noir, ce sont des joueurs assez solo, etc. TFS, je pense pas que ce soit les bons potes, je pense pas que ce soit des potes du tout de EIS ni de BXS. Donc en fait moi je verrais bien un FFA en fait hein. Moi je verrais bien un free for all là les gars, chacun pour soi et Dieu pour tous. Je pense que ça peut vraiment être fat. Par contre ce qui me fait un peu peur comme ça, c'est que nous en fait on soit vraiment entouré des deux gros. Et BXS pareil. Donc en fait ça fait un peu... si TFS et BXS décident... pardon, si TFS et Noir décident de bloquer une personne et puis de rebloquer l'autre personne, je sais pas si ici on a des portes pour passer. Je sais pas si dans la zone 1 on a des portes directement pour passer en zone 2. À mon avis peut-être, en réalité, ce serait plutôt bien, genre qu'on ait des passes là. Comme ça, si on est tous les deux enfermés dans notre zone de départ, bah on peut toujours passer en zone 2. Mais en vrai, je pense que les deux gros là, ils peuvent vraiment emmerder les autres. Après, à voir, hein. À voir si BXS et EIS se mettent ensemble, on peut tous les deux essayer de bloquer un des deux aussi. Donc voilà, je pense que ça va être fat. Je pense vraiment, stratégiquement parlant, cette carte et ces équipes là, il y a quelque chose à jouer. Je pense que le leadership doit vraiment vraiment s'amuser d'un point de vue stratégique. Et voilà, je pense juste que ça va être top en fait. On va vraiment 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 bien se marier. En plus il y a les petites nouveautés ici que j'ai vues avec les compétences de maîtrise. Donc ça c'est du rock hein. En fait les joueurs de rock, vous avez compris, on va vraiment sur du Rise of Kingdoms quoi. Il y a vraiment trop de trucs qui sont pareils. Les nouvelles règles, ça me fait peur, parce que j'ai peur qu'ils boostent encore plus le côté ressources. D'ailleurs, je pense qu'ils vont le faire. Je pense que ça a déjà été dit, d'ailleurs, que ça allait le faire. Et voilà quoi. Donc ici, on verra comment ça se déroule. En tout cas, ça annonce vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Je suis vraiment pressé. Quand est-ce qu'on rentre dans le KVK, là, en réalité? Le 19 du 7. Oh, c'est dans 8 jours. Encore 8 jours à attendre. Ok, c'est long quand même, hein. C'est long, parce qu'il y a 8 jours, et après, il y aura une semaine avant que la passe ouvre. Mais bon, on pourra déjà commencer à faire les quêtes journalières et tout, donc il y aura quand même des choses à faire. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'on va être le plus gros KVK, si vous trouvez que votre KVK va être le plus gros par rapport à nous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi quels sont le royaume, quels sont votre KVK, quels sont les royaumes qui sont dans votre KVK pour qu'on se rende compte un peu de tout ce qui se passe. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, etc. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, ça fait vraiment du bien. Et moi, bah les gars, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end si on se voit plus. Et je vous dis à la prochaine pour du Call of Dragon. Je vous laisse avec la dernière vidéo avec les deux nouveaux héros. Ciao, ciao!